J'étais vraiment agréablement surprise par la qualité via le débat auquel je viens d'assister au sein de cette université. Justement, quand on parle de la réforme de la Moudouana et de la situation des femmes, c'est là où il y a vraiment tout un travail à faire. Parce qu'on a entamé beaucoup de process, mais aujourd'hui, c'est au niveau de l'application où on a encore besoin de plus d'efforts. Il y a aussi le mariage précoce qui aujourd'hui devrait plus être, les autorisations devraient plus être une exception, mais il faut interdire le mariage des mineurs parce que l'exception est devenue malheureusement la règle. Et c'est une faille aussi par rapport à la situation des femmes et des jeunes filles. Il y a aussi par rapport à la Moudouana, par rapport au placement des enfants nés hors mariage, qui aujourd'hui a interpellé plusieurs participants au sein de la salle. Les droits des enfants devraient être quand même appliqués à la lettre. Il ne faut pas violer la Convention des droits des enfants. Le JNA, alors pour les attentes aujourd'hui, il faudrait que 20 ans après, on passe à autre chose. Qu'on n'ait plus que que la femme soit l'égale de l'homme dans tout ce qui est relation matrimoniale, relation avec ses enfants et aussi pour les décisions de la famille. La femme et l'homme devraient être égalitaires.